Lee Cooper, le jean, le t-shirt, la montre Gousset Collector et la besace. La besace Lee Cooper. Oh hey, 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 ouais, hey, ça. Hey. Merci à tous. C'est un travail d'équipe. Hein. La Coupe du Monde remportée par l'équipe de France en 98. Besace, et bien, Amandine, de remporter la besace Lee Cooper. Ouais, c'est la folie. Je vous rends l'antenne, Albert. Albert, est-ce que vous nous entendez? Albert, la besace. Albert, vous nous entendez? Oui, je vous entends ici aussi, c'est la folie. Non, c'est pas possible. Oh, dommage. C'est quel grand moment d'émotion. Faut te dire que tu nous coupes au moment où on met un truc dans les fesses. Bonne journée, Albert. Merci d'avoir vécu cet événement avec nous en live. Et bravo à Amandine qui a récupéré la besace. J'espère que Guillaume Larriche commencera son flash avec la besace. Et en plein dans la lucarne, la besace de Guillaume Larriche. C'est magnifique. À tout de suite pour les informations. On est sans partir. C'est le délire ici. Merci. Vendredi chez nous, nous sommes le 18 avril, c'est la fête à Virgin Radio, aujourd'hui c'est la Saint-Parfait. Eh ouais, les infos tout de suite, plus Razorlight, Superbus, White Town et REM, 10h. Guillaume Larriche, bonjour. Bonjour Albert, bonjour à tous. Les 6 pirates présumés du Ponant déférés au parquet de Paris ce matin. Avec les vacances de printemps qui débutent ce soir pour la région parisienne. Départ en vacances qui ne pose pas de gros problèmes a priori sur la route ce week-end. Juste de l'orange pour demain dans le sens de départ. Un peu agité par des entités, c'est n'importe quoi dans le studio. Bravo pour la besace. Ces vacances qui ne devraient pas empêcher les lycéens de poursuivre leur manifestation. Les Boulogne Boys ont pourtant été dissous, mais bon, il semblerait qu'il reste encore une faction qui se présente. Le reste de l'actualité avec... Bon, passons directement à la Coupe de France de football. On sera dedans comme ça, les demi-finales de cette Coupe de France qui opposeront donc Lyon face à Sedan et le PSG contre Amiens. Match les 6 et 7 mai. Finale au Stade de France le 24 mai. Et puis par ailleurs, les groupes de supporters Boulogne Boys du PSG et Faction Metz ont été dissous, je vous le disais. La ministre de l'Intérieur, Michèle Hulot-Marie, en a signé les décrets transmis au Premier ministre à sa parution au journal officiel, devrait intervenir rapidement. Besace ! Besace ! Besace ! Bienvenue chez les ch'tis ! La 31e édition des 24 heures du Mans, là c'est dans la Sarthe, les 24 heures du Mans moto. Demain après-midi, deuxième séance qualificative dans une heure. Triple vainqueur de l'épreuve sur trois machines différentes. William Coste visera ce week-end un quatrième succès sur le circuit Bugatti. Merci beaucoup Guillaume, bonne journée.
Moi j'ajoute rien.